Salut à tous les amigos et bienvenue, c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série de Let's Play en solo, en speedrun sur Valheim. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai la forme. On se retrouve donc pour la suite de cette aventure. Et lors du dernier épisode, le premier épisode, eh bien forcément, nous avons créé une nouvelle partie. Et eh bien, nous avons tué Ektir dans un temps plutôt satisfaisant. Donc aujourd'hui au programme, eh bien nous allons démarrer une grande vadrouille, un grand périple pour aller rejoindre l'endroit où je souhaite m'installer. Allez, c'est parti. Allez, go, on y va, on se lance. Alors, on fait gaffe parce qu'il y a un espèce de petit ruisseau par là. Voilà, je vais tout de suite utiliser mon Ektir, comme ça j'ai de la stam et on peut courir assez rapidement et nager longtemps. Allez, on va tracer notre route. Normalement, sur la route, ouah, il y a du squelette. Ça, c'était pas prévu trop au programme. Hop, c'est bon, le squelette, il est die. Normalement, sur la route, il y a des ruches à récupérer. Donc, on va essayer d'en récupérer un maximum. Bien évidemment, les sangliers, c'est bon à prendre. Allez, on va vers l'est. Il y a une cabane en haut. Pas de ruche, si, une ruche, très bien. Donc, nous allons démonter tout ça. Je vais voir si je peux pas essayer de faire un petit toit vite fait, bien fait. Comme ça, je peux réparer et je peux éventuellement faire des flèches. Par exemple, on continue à faire des flèches. Pour être le plus léger possible. Tac. Et on démonte tout ça. Voilà, très bien. Allez, on trace notre route. Direction maintenant, eh bien on va couper à travers. J'ai un petit creux, tac tac tac. On va essayer d'aller à la pointe de la pointe parce que je perds beaucoup de temps à traverser avec le radeau. Là tant pis, on va perdre une abeille, mais on va essayer d'aller le plus vite possible sur la zone où je dois m'établir. Et on a de la forêt noire à traverser, etc. Donc on va pas trop traîner. Pas trop loin de l'eau là. Je pense que je suis dans la bonne direction. Et zut, je suis tombé dans l'eau. Ça valait le coup parce que là il y a des sangliers. Qui dit sanglier dit nourriture. Et il n'y en a pas qu'un en plus. Hein. On est. Et du 2 étoiles en plus. Je suis bien gâté là. Alors lui. Ah, il fait son rebelle.
Ah, j'ai pas plus de place, mais c'est quoi? C'est un trophée. Ah non, c'était du cuir, très bien. J'ai pu le récupérer. Alors le truc, c'est que je suis sur une presqu'île, donc il va falloir sortir de cette presqu'île-là. Le détour valait le coup, hein, je pense quand même. Il y a du Nyx en face. Combien j'ai de silex? 14. C'est assez, hein, remarque. Des plumes, je prends. Alors, on va suivre l'eau jusqu'à ce qu'on traverse la rivière. Et quand on traverse la rivière, on fait plein est, quasiment. Allez, plus de 15 secondes mouillé. Voilà, très bien. Les yeux, ça peut servir. Ça, j'en ai pas besoin. Allez, la rivière est là. Jour 2, parfait. L'Unix. Voilà, on prend notre stam. Et on traverse. Voilà, on reprend notre stam. Un petit bout de forêt noire. D'ailleurs, il me faut de la place. Donc on va, pendant qu'on prend notre stam, on va voir si on peut pas libérer quelques places. Si je croise des chardons par exemple. Voilà par exemple. Très bien, des myrtilles aussi. Un spawner, on va éviter. Ah, s'il m'a vu. Ah, l'autre aussi. C'est pas grave. On trace la route là. On n'est pas là pour faire de la chasse. Déjà, on récupère plein de denrées sur la route, ça c'est cool. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a une tour. Un spawner. Éviter. On va éviter le spawner. De la myrtille. Je prends. J'ai une petite pointe de blanc là. Ah, ça y est, j'ai une rivière.
Ah, j'ai pas réussi à sauter. Donc je passe une rivière, la rivière qui est là. Donc là, faut que je suive limite presque la rivière. J'aille un peu plus vers le sud en tout cas. Sud-est. Oh, un spawner. Voilà, je vois la côte. Très bien. On va suivre la côte. Super. On tire dessus, mais c'est pas grave, je continue ma route. Donc là, oh, un grand troll, tout blue. Alors on va éviter le troll. Tant que possible, parce que je pense qu'il va me sauter dessus dès que... Ah, il m'a vu, je crois. Je sais pas trop où je suis là. Continue, hein. Tant que je peux aller vers l'est, je vais vers l'est. Ouais, je suis presque à la pointe. Je suis full. Combien j'ai de bois? 32, assez pour me faire un radeau, en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Trophée de serre. Pas besoin. Allez, on arrive près de la pointe. C'est parfait. Un spawner justement sur la pointe, c'est pas terrible. Allez, le nain gris. Voilà, merci, au revoir. Hop, on y va, on fabrique notre radeau. Faut que je vire un truc. Qu'est-ce que je peux virer? Une torche, hop. Parce qu'il va falloir que je prenne quand même. Petit peu sur la gauche. Il va falloir que je prenne quand même des minerais dès que j'aurai accosté. Prends un peu de recul sur la caméra. Donc là, on est au plus court normalement hein, pour traverser. Ça devrait pas mettre beaucoup de temps. On descend plein sud après. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Rame plus vite. Voilà, je vois des petits morceaux de terre là, en face de moi.
Allez, très bien. J'en vois un là. Je vois les armes en face, donc c'est bon signe. Allez, on accélère. Allez, 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 on y va. Allez, vas-y, je vais accoster là, là. C'est pas grave, on va y aller à la nage. Hop. C'est juste. Mais ça passe. Très bien. Voilà, très bien, de la viande. Le reste, je m'en moque. Allez, on trace. On est sur une petite prairie là. Donc, direction plein sud, limite sud-ouest. Je pense que ça, je vais pas pouvoir le traverser à la nage. Parfait. Allez hop, le squelette, ça c'est fait. Tant qu'on est là, et un dépôt d'étain, on va se le récupérer. On en récupère combien? 3? Je suis à combien? Je suis à 188, ouais. 1. Deux. Un archer. Allez, on trace. Hop, on a dit sud-sud-ouest. C'est pareil, là, de toute façon, il faut que je trace pour pouvoir traverser la rivière un peu plus loin. Limite, c'est là, en fait, hein. Allez, des myrtilles on prend. Je vais pas vous voir vous. Voilà, ça c'est fait. Alors moi je vais en face. Alors on y va. Donc là je traverse, on est ici, donc pas loin du boss. Je vais tracer un peu plus sur la droite. On va juste pointer le boss et encore. Si on va pointer le boss, ça me fait pas faire un gros détour.
Voilà, je garde ma stam. Dans 8 secondes, j'éctire. On va le claquer direct. Voilà. Allez, maintenant, on trace notre route. On récupère toutes les ressources qu'on peut récupérer. On évite tous les mobs qu'on peut éviter. Le boss, il est là. Génial. Allez, on trace. Maintenant, on va au sud-sud-sud-sud-est. Hop là, champignon. Troll. Alors là, on a tracé notre route, je reprends un peu de stam, je regarde la map. Je me pose la question si je vais pas suivre la côte après. Non, on va d'abord aller chercher les abeilles. Il me reste des petites abeilles à récupérer. Allez, on a bien mangé. Petit archer esquivé. Oh, des sangliers. Sanglier, sanglier. Très bien, il y en avait un autre. Là-bas, il y a un petit village. Ah, il y a la viande qu'on peut pas prendre. Qu'est-ce que j'ai en trop? Ça, je m'en moque. Voilà, parfait. Allez, on trace. Donc ça, c'était le premier village. On continue vers l'est. Une espèce de tour pas loin. Allez, là-bas. Voilà, direction la tour. En haut de la tour, il y a une autre ruche.
Voilà. Donc là, on en est là. Je suis à 5 abeilles. A priori, il y en aurait une par là aussi. Là, il y a tout un régiment. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui est resté par terre? De la viande. Non. Ah, c'est que je suis plein. Alors, on récupère tout ça. Hop, il y a encore du sanglier par là. Bah, il va commencer à faire nuit de toute façon, donc ça va être un peu compliqué de se balader dans la nuit. Limite, peut-être ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une cabane vite fait, bien fait, et comme ça, je me mets à l'abri et je passe la nuit. Ouais, je vais peut-être faire ça. Tac. Ouais, je vais peut-être faire ça par ici. Comme ça, je fais une cabane vite fait. Tac. Allez, c'est parti. Un établi. J'ai pas assez de bois. Cette blague. Allez. Toc, ça c'est fait. J'ai pas assez de place pour en prendre plus. Je suis à l'abri. Hop, est-ce que je peux poser un lit? J'ai pas assez de bois. Ok, c'est bon pour le bois. Ouais, c'est bon. Ok, si je fais un lit. Si je mets un feu ici. Yes, je peux passer la nuit. Bon, bah c'est la fin de cet épisode, les amis. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très très vite, bah, pour la suite de cette aventure avec le troisième épisode. Ciao, bye bye tout le monde.